Hey yop tout le monde et bienvenue sur du Feed the Turtle en compagnie des Pfefferts. Bonjour à tous, voilà. Bon, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai eu je me suis mis un petit peu à la déco, vraiment à la déco pure et dure, et du coup j'ai fait des sols en gravier, en gravel, avec 3, ouais c'est bon, avec des stone slabs que j'ai mis comme ça, avec une petite fontaine au milieu, histoire de faire un petit côté déco, et puis comme ça, un qui va aller ici, qui va aller dans un endroit sécurisé, un qui va à la ferme à bois, à la ferme en bois, voilà, et ici la ferme qui merde complètement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais elle n'arrête pas de merder. C'est du slug pourtant, oui. Bon, ça arrête pas de merder en fait. Je ne sais pas pourquoi ça merde d'ailleurs, mais... C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon, enfin bref. Là, ça me permet de faire du compost qui envoie directement dans le réseau Applied là pour me créer des bûches. Il y a des rubber saplings, ainsi de suite. Des pommes. Ici, c'est bon. Il y a du bois là. Des saplines ici, et tout le reste est exporté ici, à venir les deux rubber. Ensuite, bon, les vaches, il y en a beaucoup, hein. J'en ai mis exprès beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, le truc, il ne veut pas aspirer directement en continu, mais bon, c'est pas grave. Et ça glitch totalement, tellement qu'ils sont serrés. Ici, j'ai continué un petit peu pour monter jusqu'ici, ainsi que d'aller dans la ferme à Wither Squelette. Hop. Ça va les bébêtes? D'ailleurs, je sais pas s'ils doivent crever ou... Non, il y a plus d'énergie, d'accord. Ils doivent mourir tout seuls, en fait. Ok. Bon, on va les massacrer un peu, hein. Si je suis venu aussi pour la... Merde. Ça pique un peu. Si je suis venu exprès aussi par là, c'est pour récupérer un peu d'XP en fait. Si on n'a pas le mode liquide XP qui nous permet justement de, avec l'XP des mobs, de pouvoir ramasser, de s'en mettre plein les fouilles. Peut-être qu'on le mettra dans un mode prochain, je sais pas. On le remettra plutôt. C'est plutôt pas mal. On va peut-être aller jusqu'à 30 et après je laisserai les machines le faire. Tac 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 tac. Ça c'est cool. La rapière c'est super efficace en fait. Hein. Ah je sais pas tiens en parlant de ça. Diamond. Non, je l'ai pas là. Ah j'ai déjà une tête en plus. Ok. On entend super bien, j'ai changé le son du casque et j'y sentais encore mieux qu'avant. J'avais fait une diamante quelque part. Non, pas là. Peut-être ici. Ouais. Alors j'ai une Knobak 2, Sharpness 2, Break 1, Smite 2 et Banafatropod 2. Merci les auto-anvil. Ça, on peut mettre n'importe quoi. Puis comme c'est une très grande durabilité, du coup on peut y aller. Puis moi j'arrête pas de me faire un wither, c'est dingue. Oui, deuxième chose, je n'ai toujours pas trouvé comment faire des warded blocks de Tomcraft. Donc pour ceux qui le savent, vous pouvez mettre un lien de vidéo ou autre dans les descriptions me permettant justement de vérifier où est-ce que je pourrais avoir les warded blocks. Alors c'est Tomcraft 4, hein. C'est pas le 3. Hop. Et puis je vais remettre les machines en route. Putain, des stone machins, j'en ai plein. Et zou! Voilà, ils sont tous morts. Hop, on enlève ça. Donc toujours la mob essence qui fout la gogo, hein. Ça changera pas. Plusieurs têtes encore en plus. Des cœurs, du charbon, des os. Je vais mettre la diamante dedans. Hop, voilà. Je me referai des planteurs avec des carottes, du blé, des graines et autres.
Qu'est-ce que j'ai dedans? Ah oui, c'est l'armure de... de Yuki. Ce que j'ai tué à coup de torche. Voilà. Bah ici c'est toujours le truc à arbre. Ici j'ai fait une petite montée, tranquille, hop. Les petits blocs qui disparaissent de Twilight Forest. J'ai refait un petit peu mon réseau avec Turtle de Upline. Donc ici bah j'ai. C'est autre chose. Ah merde, j'ai plus d'énergie. Ah hop, on va fixer la ligne pour qu'il puisse se recharger. C'est quand même combien là-dedans? C'est ah oui, c'est 4 millions. Ok. Pour ça, j'ai pas assez parce que j'ai voulu faire tout ce qui est en osmium et osmium pour avoir de l'iridium, puisque l'iridium ça me sert à faire des panneaux et vous voyez que j'ai encore plein d'iridium poudre. Il me sert à faire des iridium tout seul et j'en ai déjà 400. Et là, j'en rajoute encore deux stacks d'iridium pour en avoir encore plus. Parce que pour faire un ultimate, il faut... c'est combien déjà? 16? 16 x 4? 64? Ouais, c'est ça. C'est 64 iridium pour faire un panneau ultimate. Mais bien sûr, avec l'osmium, on peut le faire recrocher, qui nous permet justement d'avoir 10% de chance d'avoir encore une iridium. Bon, ici on a que de l'opium purifié, mais grâce à ça, après on peut le foutre là-dedans qui nous sert à avoir encore de l'iridium pur. Pas pur, mais. Bon, vous avez compris. Et après, bah, il manque juste à faire une table de craft et hop. Ah, j'en ai 4 de plus. C'est comme ça, j'en ai beaucoup. Hop, on va mettre ça en plus. Et puis ça, je ne sais pas. Pas si on peut le faire quelque chose si de cobalt, mais le cobalt ça sert à rien. Si à faire une gear, mais la gear elle ne sert absolument à rien. C'est pour ça que la poudre là je vais la jeter. Faudrait que je refasse une autre notre trash can et non trash can. C'était nul. Pourquoi j'ai un câble ici? Tiens, en parlant de ça. Ah oui, c'était pour faute, ça. Ok. Du coup, tac, 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 et tac. Voilà, j'aspire les items. Que je fous ça là-dedans. Trash. Est-ce que j'en ai une autre? Non, j'ai pas de trash. Ah, trash, c'est comment? Ok, c'est de la cobble, de la stone et un chest. Ok, ça devrait le faire. Hop, hop. Et puis de la cobble. Zou. Je vais en faire 5, que j'en garde 1. Que je vais faire des exports comme ceci. 1, 2, 3. Tac, tac. Voilà. Je redescends dans le truc. J'ai fait le rangement. Donc vous verrez derrière, pour faire un rangement, j'avais tweeté sur... tweeté sur Twitter, oui, oui, j'ai... J'avais mis sur Twitter une image me vous disant que qu'on peut atteindre des FPS tellement bas qu'on en lag à fond. Voilà, tac. Faire ça comme ça, pouf et pouf. Voilà, et puis le petit câble au milieu qui va super bien avec une façade dessus. Voilà. Et après, bah, je fais ça par stack, pouf. Tic. Voilà, comme ça, ça va tout seul directement. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah oui, donc ici, c'est en automatique. Hein, ça, tout ça, c'est encore en automatique, la preuve. Hein, j'en ai encore beaucoup. J'ai ma bouffe qui continue à descendre, tranquille. J'ai fait le pattern au sol. J'ai fait, ici, bah, vous avez déjà vu, c'était la truc... C'était mis ça à la base. Toc, toc. Voilà, comme ça. J'ai fait un autre réseau. J'ai fait des œufs parce qu'il me faut des routeurs. Donc, du coup, j'ai fait une ferme à œufs. Avec un Hooper, un Interface et basta. Ici, j'ai mis là le réseau où que ça demande énormément de place. Donc, du coup, j'ai mis des deep storage. Surtout ça que je vais transformer en coal après. Donc, voilà, les œufs ici. Le réseau industriel juste à côté. Ferme de Blaze, Enderman, ou ça dépend
en fonction des œufs que je veux avoir. Le Grog Crusher qui continue toujours. Le Blast Furnace qui est toujours là. Le réseau industriel avec les deux nouveaux machines extrudeur et industrial centrifuge. Voilà. Je vais rajouter ceci. Toujours des NBFE. Ici, ça n'a pas trop changé, hormis que j'ai enlevé le truc qui était là. Le modulaire transfo, vous verrez pourquoi après. C'est 10 millions, voilà. Ça me permettra de recharger justement à l'apotron. Donc maintenant, les MFSU, elles stockent 40 millions. Hein. C'est plus 10 millions comme les anciennes versions. Et un apotron, c'est 10 millions. Les MFSU, c'est 40 millions. Toujours mon Blast Furnace qui est toujours au top. Mon Industrial Electrolyzer qui me permet justement de faire des carbon plates et du silicone. Mon réseau RF. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'œufs parce que c'est des routeurs. Et le routeur ça a besoin d'œufs pour crafter. Ne demandez pas pourquoi. Donc ça téléporte des items. Ça téléporte des items dès qu'il y a une machine qui est connectée. Je veux dire, si j'en connais encore une à côté, il y aura des underpearls qui vont se faire téléporter. Système Wi-Fi. Pour ça, des routeurs. D'où le nom routeur. Et ici, mon petit réseau de laser qui me permet justement de faire des gates, des antarchites, des iron end gates et ainsi de suite. Un blouson compresseur toujours là, j'ai augmenté ma taille de sword parce que j'en ai tellement plein avec les big zombies. Faudrait que je les mette en macération pour pouvoir pour pouvoir les mettre en gold, mais au niveau des gold, ok, gold, voilà, j'en ai 7200, ça me suffit amplement pour l'instant. Diamant, j'en ai combien? Diamant 228. Non, 288. Ah non, 238 Diamond Dust avec 1000 et quelques ici. Et en iridium, j'en ai 500 et quelques encore et plus des poudres à faire. Normalement, ça devrait le faire. Hop, hop, tuc, tac, tac. Non, ça, comme ça. Voilà, 38. Et que je refous dans l'induction smelter, l'induction furnace, qui me permet justement de les faire en iridium. Alors, j'aurais besoin d'un autre panel, donc je vais faire un ultimate. Pouf, là. Il va me faire tous les crafts, il va me faire les iridium. Les iridium, normalement, ils se font en craft auto. Est-ce qu'ils se font en craft auto? Je ne dirais pas oui. Carbone, ouais. Compressed. Non, c'est pas un compressed. Alloy. C'est quoi déjà? Oui, ça se craft comme ça. C'est l'iridium. Iridium. Ouais, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il me capte pas comment faire. D'accord. Alors, hop. Ok, il ne sait même pas ce que c'est qu'une Iridium Plate officielle. Bonjour. Hop. Hop, hop, hop. On va faire hop. Voilà. Hop. Je le craft. Je refous ça là-dedans, parce que j'en ai pas besoin. Je le mets dans le craft auto. Ouais, bah c'est bien ça pourtant. Un industrial diamond, ouais. Alors ça voudrait dire que je l'ai déjà fait. Voyons, voyons, je l'ai pas là. Je l'ai pas là non plus. Et je l'ai pas là non plus. Et je l'ai toujours pas là non plus. D'accord. Je sais pas pourquoi il veut pas en fait. Pourquoi il le veut pas? Pourquoi il le veut pas? Alors on fout là-dedans. Iridium, 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 alloy, alloy, alloy. Et industrial diamond.
12. Normalement, ça doit péter dans la... Ouais, voilà. Ça pète dans... Dans le coco. Je vais te faire ça. Hein. Mais pourtant, c'est ça. Hein. C'est des iridiums de la 27 alloy. Donc, c'est du mixed metal. Tiens, mixel. Oui, j'en ai déjà. Tiens, je vais en faire 64. Hein. Après, rien à foutre. Iridium alloy. Bah, normalement, c'est ça. Hein. Ouais, il est pas en craft auto, donc je sais pas pourquoi il me le demande pas. Il me dit qu'il est en rouge, mais Ah, peut-être que je l'avais avant, tiens. Non, bah non, je l'avais pas avant. C'est bien ce que je disais. Pourquoi il le met en rouge, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas pourquoi. Bah, je vais en demander un pour être sûr. Tac. Est-ce qu'il va me le faire? Bonne question. Ouais, on dirait pas. Hein. Des alloys, j'en ai encore beaucoup, donc il n'y a aucun problème pour ça. Mais je ne sais pas pourquoi il ne veut absolument pas me le faire. Diamond. Hop, celui-là au milieu. Et iridium. Peut-être dû tromper en fait, c'est des iridium plates. Ah ok, je sais ce que, pourquoi. Bah je crois savoir pourquoi. Une iridium comme ça. Est-ce que ça passe là-dedans? Ça, ça fait quoi déjà? Ça fait des plates. Oui, effectivement, je n'ai pas demandé à faire les plates. C'est pour ça qu'il n'en veut pas. Voilà. Hop, je retourne ici. Je lui dis que ça fait ceci. Voilà. Ici, bah, je le vais foutre ici ou ici. Ouais, je vais le faire ici, tiens. 2, 3, 3. Voilà. Tac. Du coup, hop. Iridium. J'en ai encore une ici, une ici. Je vais faire le reste pendant ce temps. Alloy, 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 alloy. Diamond industrial ici. Et encore les iridium. Là et là. Ah pourtant ça me dit que ça fait ça. Je ne sais du coup pas pourquoi. Lui me dit que ça veut pas. C'est incompréhensible des fois. Ah. Ok. Ok ok. J'ai rien dit. C'est moi qui a complètement merdé. Puisque c'est pas des iridium plate qu'il nous faut, c'est des iridium. C'est pas des. Bon. Ce n'est pas des. Comment? Des iridium reinforced plate qu'il nous faut, c'est juste des iridium plate en fait. C'est pour ça qu'il nous a pas du tout voulu. Et maintenant, il faudrait que je lui dise que ça. Je sais pas s'il y est déjà là-dedans. Non. Ça lui fait pas du tout ça. Voilà, ça nous fait une iridium renforced plate. Hop. Hop. Voilà. Ceci nous donne ceci. C'est pour ça qu'il voulait pas en fait avant. Ok. Et maintenant quand je lui fais ça, il va me les faire tout seul. Normalement. Alors par contre, ouais, c'est bien ça. Est-ce que parce qu'il les veut au-dessus du coup? Mais pourtant ça marche avec les iridium, avec les diamants, donc je ne comprends pas pourquoi ça ne marcherait pas. Deux, trois.
Putain, je suis con. Toc, toc. Ah oui, il faut qu'il me les fasse comme ça d'abord. Mais normalement, je lui ai dit directement de les faire comme ceci, donc je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. Et c'est bien ça le problème des fois, c'est qu'il ne veut pas, mais en fait, je veux qu'il le fasse. 3, 4. Allez, le 4. Ça en fait un. Ok, je vais lui en demander un. Voilà, là ça me fait les 8. D'accord, je ne compte. Ouais. C'est pas très grave. Ah, c'est des scénarios maintenant qu'il veut. Ah oui, j'ai pas dit de faire le craft du scénarium, c'est pour ça. Hop, hop. Faudrait que je fasse un petit tunnel ici ou... Ouais, ici. Pour lui dire que ça, bah ça va là, et puis ça me fait pas chier. Du coup, est-ce qu'il est en train de me faire tout? Ouais, normalement il me fait tout. Là. Normalement il me fait tout. Et je vais faire un barrel exprès de Industrial Identity pour que j'en ai toujours en stock. Pour éviter qu'il en craft, en craft, en craft. La gunpowder, j'en ai pas beaucoup. Du sable non plus. Ouais, là il est en train de me faire tout. Donc il va me faire un Ultimate Solar Panel juste après. Ok. Ouais, et puis il y a tous les compressés encore qui est en avance, je crois. Qui est en attente, je veux dire. Ok, pas de soucis. Du coup, moi, ce que je suis censé de faire actuellement, c'est une AESU. Parce que j'ai déjà ça, j'ai déjà ça, j'ai le truc au milieu. J'ai le computer qui est déjà en craft, et j'ai celui-là qui n'est pas encore en craft. Ici, des chrome plates. Et chrome plate, il faut faire fondre le chrome pour pouvoir me faire des lingots de chrome. Et les lingots de chrome, il va falloir les mettre en plate et les plates en craft en AESU. Voilà. Voilà, j'ai déjà mes data en fait. Enfin, plutôt mes énergies flow. Mon computer, j'en ai pas. Ah oui, j'ai pas les data, je crois. Non, pas SATA. Data. Ah oui, effectivement, j'en ai pas. Ça se fait comment? Putain. Voilà ce qu'il me faut. Voilà ce qu'il me faut. Et en 15 minutes, il me fait 300, 640. Ouais, plutôt en 10 minutes et 40 secondes, il me fait une data orb, alors qu'il m'en faut 2. 2 par computer. Voilà. Une computer me sert à faire mon AESU et plus tard mon IDSU. Voilà. Et l'IDSU, il m'en faut 2 en fait. Je veux en faire 2. Bah ça sera pas pour maintenant. Voilà. Bon, sinon, bon le. Ok. Le temps que ça se fasse ça, c'est cool, j'ai mon lapotron. Si ça continue toujours. Je vais faire un petit tour dans mon dance floor. Yeah! Bonjour le dance! Ça gaz? Oh, j'ai toujours des baisses de frame ici, c'est magnifique. Bonjour la lumière! Ah, ça tonne de partout en plus. What? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ok, ça fait un moment qu'elle en fait, elle est en train de tourner en rond là parce que il y a ça. Voilà. Normalement, ça doit plus gêner. Et normalement, il est censé continuer maintenant. Waouh, j'ai des baisses de frame immenses. Ça doit être les calculs de lumière avec l'eau. Ah là, maintenant il continue. Ok. Ok, heureusement c'était pas une iridium parce que j'aurais un petit peu dans le cul. Bon, les baisses de frame, c'est puissant. Et encore là, ça va parce que d'habitude je suis à 2-3 FPS.
Ok. Voilà, voilà. Ici, ici. Bon, ok. Je peux remonter. Ouais, c'est juste un. Oh. Là, évidemment que je me barre. C'est un calcul immense et ça fait buggy. Ah là, une fois retour chez nous, ça va mieux. Et voilà où est-ce que j'ai planqué mon panneau chez Turtle, parce que lui il est en Eternal Day constamment. Forcément Eternal Day c'est constamment. Et là-dedans, bah j'ai fait mon. J'ai mis mon modeler transfo avec un peu rien coffre. Et ça me permet d'avoir encore 54 iridium parce que j'ai mis du fer dedans et j'ai 4 panneaux. Trois panneaux, je vais en avoir un quatrième juste à côté ici. Donc je vais produire du 2048 constamment, voilà. Et puis chez Turtle, hop, lui il a son réseau Applied géante, sa ferme à son truc à laser The Big Mama. Je vais juste vous montrer un petit coup. Hop. Allo, oui. Ah voilà. C'est du rouge. Hein. Et voilà, c'est déjà fini, il y en a trois. Hein. Donc vous voyez, ça va vite. Et ici, bah il a son générateur Ultimate. Oh, cool. J'ai pas vu ce tout. Bah oui, forcément, Ultimate, ça va mieux, ouais. Surtout pour produire. C'est un peu le bordel dans les câbles, par contre. Hein. Son Blast Furnace. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok, j'ai compris. Ici, ça doit être l'implosion. Ou le grinder, oui, c'est plutôt le grinder. Oui, normal, il a plus d'énergie, c'est normal. Puis les machines, ainsi de suite, voilà. Ok. Bon, bah voilà, c'était cool. Hop. Ne pas se jeter dans le vide si vous avez pas l'armure, parce que vous tombez. Puis ça me ferait rager, surtout de perdre tout ça, quoi. Déjà que j'ai déjà perdu une tête et un gant, ça me ferait chier de reperdre encore. Voilà, bon. Allez, messieurs, dames, je vais vous laisser, hein. Donc, c'était une petite visite de chez EP. Moi, je vais faire mon AESU. Je vais en chier grave sa mère pour faire tout. Voilà, voyez-vous. Et je vais essayer de réparer cette putain de ferme à compost parce que ça craint à mort. Voilà. Et puis, je vais continuer à faire mes crafts tranquillement. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis bye bye. Bip, 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 bip. Burp, 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 burp.